Je suis le maréchal de la brigade anti-sorcière, je suis à mon état-major, le prophète Joël Crasso. Aujourd'hui, c'est un mercredi, je suis en train de recevoir sur le Skype. Aujourd'hui, avec ces derniers coups, sur le Skype, c'est plus, ça peut être 33, oui, il y a sur le Skype, je suis en train de travailler. Donc, vous savez, nous travaillons, nous commençons à respecter nos rendez-vous. Depuis ce matin jusqu'à maintenant, j'ai pris déjà 33 personnes. Voilà, auquel j'ai ramené d'autres personnes là, chez Maman Naomi, parce que vraiment nous avons commencé la nouvelle année, et vous savez que toute organisation, il faut une organisation forte. Ce que nous avons commencé d'ailleurs par la grâce qui a nous organisé au départ, on gérait en même temps l'Afrique, le monde entier, et en même temps, si vous voulez, l'Asie, les États-Unis, tout ça, l'Europe, et la Côte d'Ivoire, bien sûr, l'Afrique. C'était pas facile pour nous, surtout le secrétariat. C'était pas facile de respecter les rendez-vous parce que vraiment il fallait chercher une formule. Je pense que nous avons une idée par la grâce de Dieu, une représentation au niveau de l'Europe. Maintenant, c'est vrai qu'au départ c'était la France, maintenant c'est l'Allemagne. L'Allemagne avec Maman Naomi, ça fait maintenant 4 ans de mercredi, je crois bien, que les choses sont respectées. Et merci pour déjà ceux qui nous font de la confiance. Il y a rendu le témoignage de quelqu'un que j'ai reçu tout à l'heure au Burkina. Tout à l'heure pendant les séances d'entretien. Voilà, c'était les séances d'entretien parce que c'est les gens, c'est par moment, qui ne prennent pas les rendez-vous avec Maman Naomi. Donc, il fallait vraiment leur expliquer l'importance de l'onction d'huile parce que l'onction d'huile qui est là, vous savez, non seulement ça détruit l'aura satanique. Ça dit quoi? Le diable, il crée des choses sur vos corps, il crée des choses, une fois que vous êtes agressé sataniquement, il y a des choses que le diable détruit dans votre vie qui vous empêche d'avoir accès à des grâces et des bénédictions. Donc, et puis il y a des fréquences, il y a des trucs comme ça qui sont bloqués. Donc, à un moment, quand on utilise l'huile, l'onction vient briser. C'est ça que Jacques, lisez dans chaque chapitre, on fait le 5, le verset 14, on nous recommande l'huile. Quand on lisez aussi dans Marc 6, verset 13, on a la recommandation de l'huile d'onction. Donc, tous les mercredis, c'est ce que nous faisons. Et le jeune homme, pendant que je parlais avec lui, j'ai senti que les esprits tentaient de se manifester. Et les esprits ont commencé à rugir et tout ça, donc j'ai commandé. Et j'ai eu l'impression qu'il a cassé le portable. Ce qui va m'impacter encore, c'est que à peine, ça ne vaut pas 15 minutes, à peine 15 minutes, j'étais en train de prier encore pour une jeune dame. Et cette fois-ci, une jeune dame en Suisse tout à l'heure, une jeune dame qui était avec toute sa famille. J'ai prié pour elle tout à l'heure en Suisse. Elle avait le ventre ballonné, on disait que c'était fibrome. Voilà, ils ont fait toutes les autographies, c'était fibrome. Donc, tout à l'heure, je parlais, je leur ai dit non, ok, mais regardez, allez chez Maman Naomi. Puis la poussée, un cri, elle est tombée comme si c'était tombé dans les pauvres. Tout à l'heure, je commençais à commander, et elle a saigné. Et puis, j'ai demandé qu'on la fasse debout, ils l'ont fait lever. Les choses bizarres, c'est qu'ils ont vu, trois vers de terre, les vers de terre dans l'enseignement, ils ont mis trois vers de terre. Tout à l'heure, ça m'a donné un peu la chair de poule. Vraiment, les gens sont vraiment prisonniers. Ils sont vraiment prisonniers de Satan, ils sont vraiment prisonniers du diable. Et comme tout à l'heure, encore, il y a un grand miracle qui s'est produit en France. Il y a un monsieur qui vivait avec des sondes et tout ça. Donc, j'ai demandé qu'il enlève les sondes. Donc, prière pour lui aller uriner du sang. Quand il est revenu, il allait repartir uriner le truc normal. Demain encore, je le reprends pour son témoignage. C'est des grandes choses qui se passent sur les Skype dans ce temps-ci. Voyez, Maman Naomi, vous appelez au plus 49 17 66 70 56 902. Je reprends. Plus 49 17 66 70 56 902. Voilà, vous appelez Maman Naomi pour rentrer en contact. Voilà, quand vous l'appelez, elle va créer le rendez-vous parce que je travaille avec elle. Déjà la veille, elle me donne déjà la liste des gens, des personnes pour lesquelles on va faire la délivrance. Et quand je finis avec elle, elle reprend. Nous reprenons encore, nous parlons encore avec des personnes, et puis il y a un suivi qui s'est fait, donc appelez-la, je suis à mon cabinet, pour vous dire, le travail a commencé, nous avons commencé à nous organiser, shalom, tous les mercredis appelez comme ça, j'ai dit, c'est pour trois personnes, mais c'est pas facile, si vous voyez que je suis sur le Skype, n'est-ce pas, et que vous appelez une fois, deux fois, c'est que je suis en plein centre de délivrance, parce que la demande est très très forte, je vous assure, c'est très très forte. Mais je fais un effort jusqu'à 21h, 22h par moment pour recevoir tous ceux qui ont rendez-vous à un moment dormi seront reçus avant que je les dorme tous les mercredis. Voilà, j'ai fait un effort. Voilà, c'est à un moment donné de la journée, je stoppe avec les gens qui n'ont pas de rendez-vous avec elles.
Parce que par moment, à partir de 9h, je prends le temps de recevoir les gens, les entretiens, mais on a besoin d'être délivrés. Donc, ceux qui rentrent en contact avec Maman Naomi, je prends le temps de les libérer avec cette histoire d'aujourd'hui. Voilà, donc vraiment prenez contact avec elle. Je réponds les numéros, c'est plus 49 17 66 70 56 902. Plus 49 17 66 70 56 902. Shalom, vous êtes à la brigade anti-sorcier, le maréchal. Soyez bénis. Tu abaisses pas la caméra pour couper. La caméra reste comme ça pour couper. Parce que le moment que tu dois faire va rester dans le fil. Oh, tu n'avais pas coupé. Il va couper. Non, attends. Non, on a oublié de couper.